Ouais, salut, pas un nouveau épisode sur le mode zombie, obligé de le faire là. J'aurais pu arrêter, je regarde. En vrai, escape from rooftop. Là. Je vais le mettre. Donc là, je laisse se charger, tu vois. Bien sûr, avec la cinématique et tout. Écoutez, les films d'action basiques, aujourd'hui, c'est has-been. Vous êtes qui? Descendez de mon yacht. Vous et moi, on devrait créer une marque qui relierait tout. Non, mais sans blague. Film, bouquin, comédie musicale, vêtements, dentifrice, absolument tout, mais qui serait cool. La sécurité sera là dans une minute. Je demande rien de plus. C'est le Guy Marvelous Cinematic Universe. Et ça commence juste avec un film. Imaginez. On est en 2080. Le monde qu'on connaît est désormais complètement envahi par les morts vivants. La civilisation s'est installée en hauteur et tout ce qui reste en dessous, c'est l'enfer absolu. Ceux qui ont survécu se retrouvent au milieu d'une toute nouvelle guerre. Ok. Entre la milice, nos gentils, et les vautours. Un gang des rues, un gang des toits qui veulent prendre le contrôle de ce nouveau monde, le monde céleste. Les tensions montent entre les deux factions. Les victimes s'accumulent et leurs corps viennent nourrir pour renforcer la population des zombies. Le seul moyen d'assurer l'avenir, c'est de retrouver la paix. Les deux camps vont-ils réussir à s'entendre ou les zombies vont-ils attaquer? Ok. Notre héros est le dernier homme en vie. J'aime bien l'idée. On peut faire une allégorie. Ah ouais, parce que dans allégorie, il y a gore. Donc, notre héros doit repousser un million de zombies. Un million? Pendant que l'hélico fait des tours au-dessus? Ouais. Jusque-là, j'ai quand même l'impression que votre film n'a pas le courage de s'attaquer franchement au vrai problème. Le vrai problème que j'attaque, c'est le cinéma, si on y réfléchit. Hey. Je cours. Allez. Oh.
Et... Ok, je visite. Cherche. Et où le dernier? Si je comprends bien ce qui se passe, on est en plein carnage. Qu'est-ce que vous essayez de dire là? Quel est le message? Ouais. Mon message c'est, cher public, merci pour la thune, matez-moi ça et oubliez votre misérable vie de merde pendant 2 heures. Bon, pourquoi pas? Ça ira pour les zombies. Et ensuite? Ensuite, une putain de mitrailleuse surpuissante. On pourrait peut-être avoir un discours sur les armes. C'est ce qu'on fait. Le discours, c'est qu'aucun autre film a jamais mitraillé autant de zombies avec une classe pareille. Allez. Vous avez demandé des zombies? Ne quittez pas. Une petite poignée de zombies ici. Ouais. Et là, l'armée des morts s'avance. Oh merde, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça dans un autre film, ou dans plusieurs. Ouais, avec le bol que j'ai, on va encore m'accuser de plagiat. Ok. Allez, on charge. Je peux passer par là. J'imagine que là, il se passe un truc. Et là, le gros boom. Yeah. Donc,
Donc, après la mitrailleuse, l'hélico atterrit. Non, pas encore. Je peux pas atterrir! Le radar capte un truc qui arrive vers vous! Et là, alors qu'on croit que la situation peut pas être pire, des zombies loups-garous qui tombent tout droit des conduits! Sinon, vous pourriez aussi évoquer la question du changement climatique. Non. Là, en fait, c'est une scène qui permet d'annoncer le troisième épisode, l'avènement du roi loup. Ok. Et là, je voudrais que ça pète un peu plus pour cette séquence. Alors, on pourrait donner un gros lance-flamme au héros, un barbecue de loup-garou 100% américain, mais ouais! Ok. Ok, on a fini avec allez, les loups-garous là c'est bon. Et l'hélicoptère a atterri, rassurez-moi. Oh merde, il y a d'autres ennemis qui approchent. Ah, quel genre ? Vraiment ? C'est les Vautours, notre gang des toits. Comme il n'y a plus de zombies dans le coin, c'est notre héros qu'ils accusent du massacre. Il a tué nos hommes, butez-le ! Quoi ? Oui, parce que vous voyez, notre héros est ce qu'on appelle l'élu. C'est un truc qui revient dans le sixième épisode de la série, le règne des élus, guerre civile, première partie. Allez. Allez ! Super. Mère. Je veux ma maman. Voilà. C'est ça qu'on aime. Le héros s'envole, prêt pour sa prochaine aventure. Vous espérez en faire une suite ? Bah oui ! Le Guy Marvelous Cinematic Universe peut durer au moins 50 ou 60 ans ! Fastoche ! J'ai déjà tout écrit. Ok. Sans moi. J'en suis à un stade de ma carrière où j'aimerais quelque chose de plus complexe. Oh, allez ! Parce que cool, pour vous, c'est pas assez complexe ! J'espère surtout que vous savez nager. Ouais, est-ce que tu sais nager ? Donc ça c'est fait. Donc là c'est killer. Vous n'êtes pas mon chauffeur ? Ouais. Oui, je m'appelle Guy Marvel. Dis-moi tout. Et pour commencer, c'est un honneur d'exposer mes idées à un réalisateur aussi visionnaire que vous. Ah, oh, tiens, encore un guignol avec des idées. Ouais, génial. Imaginez un peu. On est dans un parc national. Ouais. Le calme, la sérénité, un jour comme les autres, quoi. On est avec une famille américaine typique. Ok. Il faut que le héros soit ranger du parc. Ah, mais c'est une blague, c'est l'histoire d'une famille. Quoi, il faudrait que j'écoute votre idée et qu'en plus je le fasse en silence ? Vous savez quoi, on peut dire que c'est l'histoire d'un ranger, ouais. Mais attention, c'est un film avec un message, le changement climatique. Une vague de chaleur décongèle un liquide étrange. Il brûle les rivières, la terre, les animaux, tout ce qui bouge. Après des décennies passées à se faire défoncer, Mère Nature se venge avec des zombies. Ok. Oh, c'est ce genre de film alors. D'accord. Un peu que c'est ce genre de film. Et ça va rajouter pas mal de zéros à nos comptes en banque. Alors Ok, allez-y, parlez-moi de zombies et de développement durable. Ben, dis-moi. Donc,
Notre ranger du risque entend les hurlements apeurés d'une famille au loin. Ah, j'ai peur, il faut qu'il aille voir ce qui se passe. Ok. Killer Climate, yeah! Ouf, ok. Donc on commence dans la tour de notre ranger du risque. J'ai une meilleure idée. Et si le personnage était le propriétaire d'un bar? Parce qu'entre nous, les zombies inspirent l'essence des êtres vivants, mais ils ne vivent pas vraiment eux-mêmes. Ouais, d'accord. J'imagine un lieu où ils pourraient se détendre. C'est des zombies. Je crois que vous leur donnez plus de fonctions cérébrales que ce qu'ils ont. Ouais, d'accord. Même la plus infime des créatures peut apprécier l'art dans son minuscule cerveau. C'est quoi ces conneries là? Ouais, mais tu vas te calmer. Un film de zombies sur l'environnement. Je peux pas juste vous raconter mon idée. Les idées n'appartiennent à personne. Mais soit, reprenez. Ouais, ok. Ok, donc on suit notre ranger du parc et on descend de notre tour. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Le ranger du parc doit forcément descendre de sa tour. Vous avez déjà lu mon manifeste? Je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore fini. Oui, je suis très pris par la vie. Et là, je continue. Donc notre héros prend un raccourci vers le chalet. Bien sûr, l'Amérique dans toute sa splendeur, toujours à prendre des raccourcis. Ah ouais, mais là c'est pas facile, hein. Faut escalader plein de trucs. Alors ensuite, notre héros voit du liquide toxique qui s'écoule des rochers et... J'adore le visuel. C'est terriblement banal. C'est ce que j'attendrais d'un étudiant en art de première année. Ok. Utiliser le grimpin. Ah, ok. Ok. Bon, l'autre. Pas tombé. Beaucoup de l'élan. Ok. Le refaire.
Ouf, ok. Non, je vais le refaire plus tard. Ouais, ça va être la fin. Allez, à bientôt.